quelqu'un peut m'aider à célébrer. Can somebody help you celebrate the Lord? Notre Père, our Father, nous te rendons grâce. We thank you. Nous te rendons gloire. We give you glory. Nous te rendons tout l'honneur. And all honor. Toi qui nous appelles dans ta présence. You're the one who calls us in your presence. Dans ce merveilleux programme. This amazing program. Où nous allons nous tenir dans ta présence. Where we're going to stand in your presence. 21 jours dureront. 21 days. Père, nous nous attendons à toi. We're waiting for you. Et nous pouvons le confesser. And we can confess. À cause de ta fidélité. Because of your faithfulness. Au 21e jour. Nous aurons des témoignages. We will have testimonies. Nous aurons le témoignage. We will have testimonies. Car tu n'appelles jamais ton peuple en vain. Because you don't call your people in vain. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous prions. That's why we pray. Que tu nous rendes disponibles. That you will make us available. Que rien ne nous distrait. Nothing shall distract us. Par le Saint-Esprit, conduis-nous. By the Holy Spirit, lead us. Du premier au dernier jour. From the first to the last day. Les sessions de matin, de midi, du soir. The morning sessions, noon. Que ta présence soit palpable. May your presence be tangible. Que ta présence soit évidente. May your presence be obvious. Touche-nous. Touch us. Touche nos corps. Touch our bodies. Touche nos âmes. Touch our souls. Touche nos esprits. Touch our spirits. Touche nos familles. Touch our families. Touche nos entreprises. Our businesses. Touche notre nation. Our nation. Touche nos églises. Our churches. Nous nous attendons à toi. We are waiting for you, Lord. Et nous savons, and we know, que nous ne serons pas déçus. That we're not going to be deceived. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Because you're not a man to lie. Ni un fils de l'homme pour te répondre. Nor a son of man to repent. Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole. As we're ready to listen to your word. Ouvre les yeux de nos cœurs. Open the eyes of our hearts. Ouvre les oreilles de nos esprits. Open the ears of our spirits. Afin que nous puissions saisir pas la pensée de l'homme, mais la pensée de Dieu. So that we can size your thought. Libère pleinement ton onction sur ton peuple, sur moi. Release fully your anointing over your people and over me. Nous te le demandons, Père. We asking, Father, toi qui peux te servir de toutes choses. You who can use anything. Sers-toi de nous, Seigneur. Use us, Lord. Toi qui te glorifies de nos faiblesses. You take your glory in our weaknesses. Manifeste ta gloire. Manifest your glory. Maintenant. Now. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Somebody say Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis Dieu ce matin pour la présence d'un homme de Dieu qui est parmi nous. I bless God this morning for the presence of a man of God here in our midst. Il est basé à Bruxelles, en Belgique, où il sert Dieu à la borne. He lives in Brussels, in serving God at the church La Borne. Je demande au frère Thierry Mboulamoko de se lever afin que l'église puisse l'accueillir. Our brother Thierry, can you stand up so the people of God will welcome you? Thank you. Très honoré, merci beaucoup. We honored, thank you. Invoque-moi, je te répondrai. Invoke me and I will answer you. Invoque-moi. Invoke me. Je te répondrai. And I will answer you. Tel est le thème autour duquel nous allons tourner pendant ces 21 jours. This is a theme that we're going to develop during this those 21 days. Comme vous le savez, il y aura divers orateurs. We will have many preachers. Mais je suis convaincu que chacun sera porteur d'un message de la part de Dieu. And I am convinced that each one of them has a message from the Lord. Mais ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous autour d'un petit, d'un sous-thème. This morning, I'd like to talk to you about a sub-theme. Comment réussir son jeûne? How to succeed in your fast? Alors que nous sommes en train de décoller ensemble dans notre programme de 21 jours. As we are taking off in our 21 days program. Je pense qu'il serait important que l'on se mette d'accord sur ce que nous serons tous en train de faire en ces lieux jour après jour. I think it will be important for us to agree on the things that we shall be doing here day after day. Et puisque nous nous sommes ainsi donc engagés à passer 21 jours dans le jeûne et dans la prière. And since we have engaged ourselves to spend 21 days in fasting and prayer. Il serait bon que l'on comprenne tous ensemble le sens du jeûne
dans la pensée de Dieu. It will be important for us to understand the meaning of fasting in the thoughts of God. Comment et pourquoi devons-nous jeûner? How and why should we fast? C'est quoi le jeûne selon l'entendement de Dieu? What is fasting in God's understanding? Que dit la Bible à ce propos? What does the Bible say about it? Est-ce une pratique de l'Ancien Testament ou nous de la Nouvelle Alliance sommes-nous aussi concernés par le jeûne? Is it just an Old Testament practice or are we concerned by that also in the New Testament? Alors aujourd'hui et demain Dieu voulant, nous allons mettre à notre disposition quelques informations dont nous avons besoin pour réussir notre programme. Today and tomorrow, I will provide you some information that we need to succeed in our program. Et ce matin, j'ai à cœur que nous puissions réfléchir sur certaines choses qui soit pourront booster notre programme ou soit seront un frein à notre programme. And this morning, I'd like to reflect on some things that can either help us succeed in our program or prevent us from succeeding in our program. Le prophète Amos dit dans son troisième chapitre, le troisième verset. Prophet Amos says in his book, chapter 3, verse 3. Deux hommes peuvent-ils marcher, marchent-ils ensemble sans en être convenus? Do two men walk together without having agreed? Sommer dit, sans s'être mis d'accord. Sommer says, without agreeing. Et chers bien-aimés, nous avons tous besoin de nous mettre d'accord, de nous convenir avant d'aller plus loin. Brothers and sisters, we all need to come to agreement before we can go even further. Oui, si nous voulons réussir notre programme, nous devons marcher ensemble et regarder vers une même direction. If we are to succeed in our program, we have to walk together and look in the same direction. Nous devons nous mettre ensemble et nous accorder. Car écoutez-moi, chers bien-aimés, ce programme de Bunda 21 se veut et se doit d'être à la fois un programme individuel, mais aussi un programme collectif. We have to come together and agree because this Bunda 21 program has to be an individual program, but also a collective one. Mais pourquoi un programme individuel? Why an individual program? La Bible dit dans notre texte de base, Jérémie 33, 3. The Bible says in our main text, Jeremiah chapter 33, verse 3. Invoque-moi, je te répondrai. Invoke me and I will answer you. Français courant dit, appelle-moi et je te répondrai. Français courant says, call me and I'll answer you. Et remarquez que le verset invoqué ici est conjugué au singulier de l'impératif. Note that the verb invoke is conjugated in the singular of the imperative. Cela traduit donc à la fois une invitation, c'est-à-dire un appel, mais aussi et surtout un ordre, un commandement. This translates an invitation, but also an order. Un ordre, une invitation et un ordre que Dieu donne à chacun de nous, mais individuellement. A commandment that God is giving to each one of us. Dieu ne dit pas, j'aurais voulu que la Bible, que l'Esprit dise, invoquez-moi, non. Mais l'Esprit, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. The Bible says all scripture is inspired by God. Et c'est à dessein qu'en ce lieu, l'Esprit de Dieu n'a pas soufflé, invoquez-moi, mais c'était plutôt, invoque-moi. And God did not say invoke me in the plural form, but in the singular form, and it is important. C'est-à-dire que Dieu t'appelle toi. God is calling you. Bien-aimé, durant ce programme de 21 jours de jeûne et de prière. In this 21-day program. C'est vers toi que Dieu se tourne. God is looking at you. C'est vers toi que Dieu lance un appel. God is calling you. Une invitation. An invitation. C'est une affaire individuelle, une affaire personnelle. It's a personal matter. Dieu ne nous a pas appelés en groupe en ce lieu, non. God did not call us in group here. Non, non. No. C'est d'abord toi que Dieu t'appelle. But it is c'est you. D'abord toi que Dieu t'appelle. Personally, c'est d'abord calling. Moi que Dieu appelle. It is me. Chacun de nous individuellement. Each one of us individually. Non seulement que c'est une invitation, un appel. Not only is it an invitation or a call. Il y a plus. But c'est more. C'est un commandement. It's a commandment. Dieu nous intime l'ordre. God is ordering us. De crier à lui. Cry out to him, de l'invoquer, to invoke him, de l'appeler, to call on him.
Avant d'aller plus loin, je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse que je refermerai rapidement. Before going even further, I'd like to open a parenthesis that I will close. Bien-aimé, le jeûne n'est pas une activité facultative. Brothers, fasting is not an optional activity. Non. No. Ce n'est pas une option. It's not an option. Nous n'avons donc pas la latitude de vouloir ou de refuser de jeûner. Non. We don't have the latitude to want or not to want to fast. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Am I talking to somebody? Le jeûne est une activité spirituelle que les enfants de Dieu sont appelés à pratiquer tout au long de leur marche ici-bas. Fasting is a spiritual activity that children of God are called to practice during their walk here on earth. Tu dois intégrer la vie de jeûne et de prière au quotidien dans ta vie, dans ta marche de tous les jours. It must be a daily routine in your everyday walk. Tu dois avoir de temps en temps des programmes de retrait personnel où tu te prives de certaines choses pour chercher Dieu. Sometimes you must have your personal programs of retreat to seek for God. Bien-aimé, c'est là que nous puisons notre force. That's where we find our strength. Dans la présence de Dieu. In the presence of God. Mais comme on le verra plus loin. And as we will see later. Il y a des portes, il y a des circonstances qui ne peuvent se décanter que par les jeûnes et la prière. There are doors that can only be settled by fasting and prayer. Le problème c'est que nous nous aimons trop, bien-aimés. We like ourselves oui, too much. Nous aimons trop la nourriture. We like food too much. Bien-aimé, tu as mangé du 1er janvier jusqu'à ce jour. You have eaten from January the 1st until now. Tu ne fais que manger. You're always eating. Et ta langue ne se rassasie pas de se plaire de la nourriture. And your tongue needs always more. Même quand tu es déjà plein, mais tu demandes, tu veux toujours. Ça, c'est la nature de l'homme. Even when you're full, you want more and more and more. That's mais human nature. Mais le temps est arrivé où nous devons mettre certaines choses de côté. Afin de vaquer à la prière. But time has come, we need to put some things aside and focus on prayer. Et je suis venu nous annoncer le temps de chercher Dieu. I've come to announce to you the time to seek for God. Je pensais que j'étais à quelqu'un qui était engagé dans Bunda 21. I thought I was talking to somebody who was engaged in Bunda 21. Je suis venu t'annoncer le temps de chercher Dieu. This is the time to seek for Voici God. Voici venu le temps de la prière. Here is the time of prayer. Permettez que je le dise en ma langue. We're gonna pray. Hallelujah. Amen. Na tongo toko bondela. In the morning we shall pray. Na midi toko bondela. At noon we shall pray. Na pokwa toko bondela. In the evening we shall pray. Na putu toko bondela. At night we shall pray. Nous allons prier en intelligence. We're gonna pray with our intelligence. Nous allons prier en esprit. We're gonna pray in tongues. Nous allons prier par des cantiques. We're gonna pray with our songs. Nous allons prier par des supplications. We're gonna pray with our supplications. Par des louanges. By praises. Par des actions de grâce. By our thanksgiving. Nous allons faire des prières d'autorité. We are going to pray. We're gonna change Henri Papa's song. We came to pray the Lord. Yes. Cependant, permettez-moi de placer une nuance. I'd like for you to understand the nuance. That to balance. To balance. Il ne faudrait pas non plus tomber dans un piège de la coutume ou de la tradition dans l'exercice du jeûne. Fasting doesn't have to become a tradition. Ce n'est pas une pratique rituelle. It's not a ritual practice. Ou sinon ça perd son sens, sa profondeur. Or it's going to lose its meaning. Des fois on jeûne tout seulement parce que chaque jeudi on jeûne. Alors on jeûne, bon, on se prive de la nourriture, mais on perd la portée de ce temps de qualité avec Dieu. Sometimes we fast just like it's a tradition every Thursday, for example, but we lose the moment of quality with God. Et la Bible nous montre comment est-ce que ce soit les patriarches, que ce soit les rois, que ce soit les prophètes, que ce soit les apôtres, comment est-ce qu'ils vivaient dans les jeûnes et la prière. The Bible teaches us how our fathers in the faith, the apostles, the prophets, they were living
in fasting and prayer. Lisez avec moi la Bible dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20e. When you read 2 Chronicles chapter 20. Du 1er au 4e verset. Verse 1 to 4. La Bible dit ce qui suit. The Bible says this. Après cela, after this, les fils de Moab et les fils d'Ammon, the children of Moab and the children of Ammon, et avec eux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. And with them the Moabites marched against Jehoshaphat to make war against him. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar qui est en Gedi. And they came and told Josaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hatsatson Tamar, which is in En-Gedi. Et la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa, alléluia, à chercher l'Éternel. And the Bible says, in fear, Jehoshaphat prepared himself to seek. Vous voyez, des fois le Seigneur lui-même crée certaines situations pour te bouger un peu et te pousser à la prière. God himself creates some circumstances to push you to prayer. Oui, parce que des fois quand la mer est calme, because quand some... les flots sont silencieux, tu tombes dans une certaine léthargie. Because sometimes when there is no storm, you fall into a lethargy. Et il arrive par moments que le Seigneur déclenche des tempêtes dans ta vie pour te pousser à le chercher. And sometimes God will create the storm in your life to push you to seek for. La Bible dit dans sa frayeur. The Bible says in his fear. Non seulement qu'il cherchait l'Éternel. Not only that he was seeking for the Lord. Mais il se disposa à chercher l'Éternel. But he prepared himself to seek for the Lord. Ne cherche pas seulement Dieu, mais dispose-toi ton corps, ton âme et ton esprit. Dispose-toi à chercher l'Éternel. Don't only look for God, but also prepare your spirit, your body, your soul to seek for God. Dispose-toi. Dispose yourself. Oui, à chercher Dieu. To look for, to seek for God. C'est-à-dire, dis à ton âme. Tell to your soul. C'est le moment. It is the moment. Ou jamais. This is the time or never. Voyez-vous, chers bien-aimés, dans la vie, il y a des instants que l'on appelle des momentum. In life, there are some situations, instances that we call momentum. Oui, c'est des moments des instants T. Moments M. M. C'est maintenant ou jamais que les choses se jouent. It's now or never that the game tu es dans un virage. You are in a... Ou soit dans un virage. Mm-hmm. In a corner. Uh-huh. Ou soit prends. Ou soit tu le prends. Either you take it right, et tu entres dans une autre dimension. And you de go ta vie, in another dimension. Ou soit tu le rates. Or you miss it. Et tu passes à côté. And you pass by. Des instants T, des moments M. Moments M. Et je suis venu vous annoncer, voici arrivé un temps stratégique de ta vie. And this is a strategic time in your life. Aïe, 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 aïe. Pastor Lord. Yes. Je pensais que j'allais avoir affaire à des hommes et des femmes assoiffés de I Dieu. I thought I would help people thirsty for God. Écoutez, regarde, Dieu n'agit pas dans la vie de ceux qui ont envie. Listen, God does not operate in the life of those who want. Non, Dieu agit dans la vie de ceux qui ont soif. God operates in the life of those who are thirsty. La soif active Dieu. Thirst for God activates God. La soif bouge Dieu. The thirst moves God. Et le Seigneur sent. Il sent dans le cœur. And God sees the hearts. And he's looking. La soif. Those who are thirsty. Je prie qu'il trouve en ce lieu un homme assoiffé, une femme assoiffée. Amen. I pray that he will find in this place somebody who's thirsty for him. Dans sa frayeur. In his fear. Josaphat se disposa. Jehoshaphat prepared himself. À chercher l'Éternel. To seek for the Lord. Et il, écoutez ça, il publia un jeûne pour tout Judas. And he proclaimed a fast for all Judah. La Bible dit au verset 4e, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. The Bible says Judah invoked the Lord. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher Dieu. And they came from all the cities of Judah to seek for the Lord. Ce texte est en train de nous montrer de manière claire. This text shows us in a clear way que la raison fondamentale qui doit nous pousser au jeûne, c'est d'abord la recherche de Dieu.
that the fundamental reason that has to prompt us to fast is first of all the search for God. La Bible commence par dire qu'il se disposa à chercher l'Éternel et c'est seulement après qu'il publia un jeûne. Autrement dit, le jeûne n'a été impulsé que par la soif de Dieu. The Bible first says that he prepared himself to seek for the Lord and after he proclaimed a fast. The fast was just a consequence of the search for God. Pourquoi veux-tu jeûner? Why do you want to fast? Qu'est-ce qui te pousse à la prière? What pushes you to prayer? Est-ce que tu ressens devant de toi comme une sensation de brûlure? Do you feel inside of you something burning? Like a burning sensation. Like a burning sensation. Est-ce que tu sens comme quelque chose qui te consume au-dedans de toi et qui te met mal à l'aise? Can you feel something consuming you on the inside? Quelque chose qui t'enlève l'envie de manger, l'envie de boire, l'envie de dormir sur ton lit. It takes away the pleasure of eating, of sleeping on your bed. On me parle de cet homme, j'ai pas retenu son nom, un revivaliste. Somebody told me about a revivalist. Un Écossais. From Scotland. Il s'est mis à prier. He started praying. Il dit à Dieu. And he said to God, Père, Father, donne-moi l'Écosse. Give me Scotland. Où je meurs. Or I die. Et il est resté sur ses genoux. And he stayed on his il knees. Il priait. He prayed. Il pleurait. He cried. Il transpirait. Il agonisait dans la prière. Agonizing dans in prayer. Dans la présence de Dieu. In the presence il of dit, God. Donne-moi l'Écosse. Give me Scotland. Où je meurs. Or I die. Je ne sais ce que tu vas demander à Dieu pendant ces 21 jours. I don't know what you're going to ask God during this 21 days. Ce matin, je suis venu décourager plusieurs. I came to discourage somebody. Si tu y vas à la légère, if you go just like tu perds ton temps. You're losing your tu time. Tu perds ton temps. You're losing your time. Pas solo. J'aime manger. I like to eat. J'aime dormir confortablement sur mon lit. I like to sleep comfortably on my bed. J'aime manger les bonnes choses. I like to eat good things. Mais je n'abandonnerai pas ces choses. But I will not abandon those things. Pour rien. Just for nothing. Pour que je sois en train de prier avec légèreté. Just to pray as if I'm not praying. Avec complaisance. With complacency. Alors là, laisse-moi manger. Let me eat then. Mais si je dois me priver de la nourriture. But if I have to stop eating. Et ça pour ne seulement s'équiter. It's not for jokes. Non. No. 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 Je ne veux pas perdre mon temps. I don't want to lose my time. 21 jours. 21 days. Je ne veux pas gaspiller mon temps. I don't want to waste my no. time. No. Si je dois jeûner. If I have to fast. Alors je jeûnerai sérieusement. Then I will fast seriously. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Am I talking to somebody? Jehoshaphat a été boosté. Was moved par la soif de chercher Dieu. By the thirst to seek for God. Chers bien-aimés, nous allons d'abord jeûner pour chercher Dieu. We fast first to seek for the Lord. Pas d'abord pour ce que Dieu peut faire, pas d'abord pour ce que Dieu peut donner, non, d'abord pour Dieu lui-même. Not primarily for what God can do or what God can give, but for God. Je refuse de jeûner seulement pour le mariage. I refuse to fast only for marriage. Je refuse de jeûner seulement pour les finances. Only for finances. Je refuse de jeûner seulement pour les visas, pour le voyage, pour le travail, non. I refuse to fast only for visa, travels or work, no. Si je dois jeûner, if I have to c'est fast, d'abord pour Dieu. First for God c'est himself. D'abord pour Dieu. First for God car himself. Je sais because que I know celui qui a Dieu, the one who has God, tout le reste has everything else. Amen. 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 Toutes choses viennent par-dessus. Everything comes on top of that. Le Seigneur Jésus-Christ nous en parle dans Matthieu 6, 33. Jesus Christ talks about it in Matthew chapter 6, verse 33. Il dit, cherchez premièrement. He says, seek first le royaume et la justice de Dieu. The kingdom and righteousness of God. D'abord les intérêts de Dieu. First of all, God's interests. D'abord la place de Dieu. God's place first. Et toutes ces choses and vous seront données par-dessus. And all the other things will be given to you on top of it. Écoutez, cher ami. Listen. À chaque fois que l'on cherche d'abord les intérêts de Dieu, every time we seek the interest of God first, Dieu lui nous rajoute toujours le reste. He always adds the rest on top of that. Dans la vie, il faut savoir utiliser ce que l'on appelle en anglais the master key. In life,
we have to know how to use the master key. Des clés maîtresses. Master keys. C'est des clés stratégiques. Strategic keys. Les genres de clés, quand tu l'utilises, ça ne s'ouvre pas que la première porte. The kind of keys, when you use it, it not only opens the first door. C'est des genres de clés qui viennent avec des répercussions. But it comes with some repercussions. C'est-à-dire, tu touches ce secteur-là. When you touch that door. Ça touche ton âme. Ça touche ton corps. It affects ça touche your body, ta famille. Your family. Tes enfants. Your children. Ton mariage. Your marriage. Ton ministère. Your ministry. Clé maîtresse. Master key. Et la Bible dit, and the Bible si tu says, cherches d'abord Dieu, if you look for God les first, autres portes the other s'ouvriront doors d'elles-mêmes. Shall be opened by themselves. Si j'en train de parler à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Ne perds pas ton temps d'abord dans les mariages, dans les voyages. Ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas d'abord les priorités. Don't waste your time first in marriage and travels. Those things are good, but they are not priorities. Que le diable ne te distrait pas. Don't let the devil distract you. Clé stratégique. There is a strategic key. Nous vivons cela avec le roi Salomon. We see that with the king Solomon. Lisez avec moi 1 Roi 3, 11 à 13. 1 Kings chapter 3, verse 11 to 13. La Bible déclare. The Bible says. 1 Roi 3, 11 à 13. 1 Kings 3, 11 to 13. Et Dieu lui dit. And God said unto him. Puisque cela ce que tu demandes. Since this is what you ask. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie. Seeing neither long life, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Nor riches, nor death of thine enemies, not for thyself, but ask for understanding to exercise righteousness. Voici, j'agirai selon ta parole. Behold, I will do according to your word. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. I will give you a wise and understanding heart. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. So that there will be no one before you and no one will ever be seen like you. J'aime le verset 13. I like verse. Dieu dit, je te donnerai en outre. God says, I will give you on top of that. En outre. On top of that. C'est-à-dire en plus. Means more over. Alléluia. Frère, il y a des choses quand tu le touches, ça déclenche les en outre. When you touch some things, God gives you a bonus. Il y a des prières quand tu l'as fait, ça déclenche les par en plus. Some prayers, when you do them, you receive more things on top of. Dieu dit, je te donnerai en outre. God says, I will give you as a bonus. Ce que tu n'as pas demandé. What you have not asked for. Des richesses. Riches. De la gloire. Glory. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. So that there will not be any king like you in all your life. Amen. Si tu cherches d'abord les intérêts de Dieu, if you seek for God's interest first, Dieu te donnera tes intérêts à toi. God will give you your interests. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Am I talking to somebody? Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pour des choses matérielles est une mauvaise chose, non. I'm not saying that fasting for material things is wrong, no. Je suis plutôt en train de dire, but I am saying, que la quête de Dieu doit rester l'objet principal de nos instants de prière. The quest for God must remain our priority in our times of prayer. La Bible dit dans le livre d'Esdras, le verset 8e, le chapitre 8e, le verset 21. The Bible says in Ezra chapter 8 verse 21. Là, près du fleuve d'Ahava. There, near the river Ahava. Je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. I published a fast of humiliation before our God. Afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. In order to implore of him a happy journey for us, for our children and for all that belong to us. Il veut rentrer à Jérusalem. He want to go back to Jerusalem. Il veut aller bâtir l'œuvre de Dieu. He want to go build God's work. Il est concerné l'intérêt de Dieu. He is concerned by God's interest. Et il demande l'autorisation au roi. And he asks permission to the king. Le roi le lui accorde. The king grants him permission. Mais il a un problème. But he has a problem. La route est dangereuse. The road is dangerous. Ils peuvent être attaqués par des bandits, des brigands. They can be attacked by
evil persons. En plus, il n'est pas seul, il y a avec lui les enfants et les autres. And he's not alone, he has children and other persons. Mais il est bloqué. But he is like blocked. Il réfléchit. He's thinking. Il dit, j'ai dit au roi que je vais m'occuper des intérêts de Dieu. That I will take care of God's interests. Comment reviendrai-je encore? How can I come back to the king? Pour lui demander la sécurité. And ask security from him. Il a comme l'impression que c'est diminuer son Dieu. It's like diminishing God. Il a comme l'impression que le roi va dire, mais si tu vas faire l'œuvre de Dieu, que ton Dieu te protège, pourquoi tu veux que moi je te sécurise? The king would say, if you're going to take care of your God's interest, ask him for protection. Et il déclare un jeûne. And he declares, he proclaims a fast. Mais qu'est-ce qui a été à la base de son jeûne? What was the foundation of his fasting? Encore les intérêts de Dieu. God's interest. Il ne veut pas que le nom de Dieu soit bafoué dans le cœur du roi. He doesn't want the name of God to be taken not seriously in the heart of the king. Qu'est-il en train de demander? What is he asking? Il ne demande pas les choses spirituelles. He doesn't ask for spiritual non, things. Non, il demande des choses matérielles. But he's asking for il demande material la protection things. De Dieu. Il demande protection la, from God. Il demande la sécurité. Security. Il demande l'accompagnement de Dieu. The God shall shoot c'est walk des choses matérielles. Those are things of mais motivé par les intérêts de Dieu. Motivated by God's interests. Tu veux demander le mariage. You want a marriage. Demande-le pour les intérêts de Dieu. Ask a marriage for God's tu veux demander interest. Les finances. You want finances. Demande-le pour les intérêts du royaume. Ask them for interest tu veux demander of the le travail. You want a job. Peu importe ce que tu veux demander. No matter what you want to ask. Tu veux voyager dans le monde. You want to travel around the tu world. Peux le demander. You can ask mais for que that. Dieu se retrouve. But God has to que take les intérêts his place. De Dieu s'y retrouvent. His interests first. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? La Bible dit dans Psaume 109, 24. The Bible says in Psalm chapter 109, verse 24. Je suis dans la version français courant. Français courant says. À force de jeûner. By dint of fasting. Je ne tiens plus debout. I can no longer stand. Les privations m'ont amaigri. Deprivation made me thinner. Oui, dans les jeûnes, nous faisons taire notre chair. In fasting, we shut our flesh. Nous mortifions la chair. We are mortifying our nous flesh. Tenons notre corps assujetti. We hold it like a prisoner. Afin que notre esprit se lève. So that our spirit can rise. Le jeûne te rend spirituellement plus disponible à Dieu. Fasting makes you spiritually available for le God. Le jeûne te met dans de meilleures conditions pour chercher Dieu. It creates the right atmosphere to seek for God. Et je prie le Seigneur. And I pray que to pendant the Lord, que tu seras en train de jeûner et de prier, during your time of fasting and prayer, que tu sois d'abord intéressé par Dieu. That you be first motivated by Seigneur, God first. Rapproche-moi plus de toi. To come closer to God. Oui, Seigneur, je yes. veux grandir encore un peu plus. I want to grow more. Père, je suis fatigué de mêmes faiblesses. I'm tired of the same weaknesses. Je suis fatigué de mêmes travers. I'm tired of the same. Mon Dieu, je veux weaknesses. Passer à autre chose. I want to go to something else. Donne-moi un peu de maturité spirituelle. Give me more spiritual maturity. Je veux réjouir ton cœur. I want to make your heart. Oh Dieu, beat. Touche ma vie. Touch my life. Ça d'abord. That first. Ça d'abord. That first. Et puis après. And then after. Le reste. The rest. Mais n'inverse pas l'ordre des priorités. Don't change the priorities. Ça sera une distraction. It's going to be a distraction. Et tu vas passer à côté de ton jeûne. And you'll pass by. Suis-je en train de parler à quelqu'un? You'll miss your fasting. Les disciples dans la Bible pratiquaient régulièrement le jeûne et la prière. The disciples in the Bible were practicing regularly fasting and prayer. Si vous lisez Actes 13, 2, when you read Acts chapter 13, verse 2, la Bible dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, the Bible says, as they ministered to the Lord and fasted, le Saint-Esprit dit, the Holy Spirit said, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Set me apart, Barnabas and Saul, for the work to which I have called them. Pendant ce Bunda 21, during this Bunda 21, plusieurs vont recevoir des orientations. Many will receive orientation. Plusieurs vont recevoir des directives. Many will receive direction. Dans ce passage, les orientations sont venues alors qu'ils étaient en train de jeûner et de prier. In this text, in the midst of fasting and prayer, they received orientation. Tu as des choix à faire. You have choices to des make. Des options à lever. Options to make. Des décisions à prendre. Decisions to take. Dans les jeûnes et la prière. In fasting
and le prayer, Seigneur trouve l'opportunité God finds the opportunity de placer dans ton cœur to place in your heart ses pensées et ses desseins. His thoughts and his ways. Ses directives et ses orientations. His directions and orientations. Il te montre le chemin. He shows you the way. Alors que tu jeûnes et tu While you are fasting and praying. Voilà pourquoi je t'encourage. That's why I'm encouraging you. Ne sois you. Pas distrait. Don't be distracted. Je ne sais pas quand est-ce que cela viendra. I don't know when it will come. Mais nous sommes sur la montagne de l'Éternel. But we are on the mountain of the Lord. Et sur sa montagne, Dieu parle. And on his mountain, God speaks. Il te parlera par un sort. He will speak to you through a dream. Il te parlera par une prédication. Through a teaching. Par une prophétie. A prophecy. Par une conviction. Or a deep conviction. Par une pensée. A thought. Par ta méditation personnelle. In your personal meditation. Mais quand on jeûne, but when you fast, Dieu donne des directives. God gives directions. Des orientations. Orientation. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même pratiquait le jeûne et nous recommande de jeûner. Jesus Christ himself practiced fasting and recommended it to us. La Bible dit dans Matthieu 4, 2. In Matthew chapter 4, verse 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. The Bible says, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Il jeûnait. He was fasting. Et il nous motive, il nous encourage à jeûner. And he's encouraging us, motivating us to fast. Mon ami, n'attends pas seulement Bunda 21. Don't only wait for Bunda 21. Même en dehors des programmes de l'église. But aside the church's program. Tu dois avoir tes programme personnel de jeûne et de prière. You must have your personal program of fasting. On dit bien n'engagne ni jeûne à côté. You don't fast. How come? How come? You got a fufu kak. You like cassava bread. Depuis pour banarolia. Since you started eating. Et l'homme veut ça à côté. Nothing is happening. Ne penses-tu pas? Don't you que think le temps est arrivé the time has come. Où il faut changer de stratégie. You have to change your Alleluia. Strategies. Écoutez, un homme a dit, Pasteur Amos. Somebody said, Pastor Amos. Tu ne peux pas espérer. You cannot hope. Obtenir de nouveaux résultats. To obtain new results. Tout en demeurant dans les mêmes méthodes. While you're staying in the old manners. Tu restes dans les mêmes méthodes. You stay in the dans la même stratégie. Methods, dans la même manière de faire. The same strategy, the same way of doing things. Et tu espères des résultats différents. And you're hoping for different results. Non. No. Par moment, il faut changer de méthode. Sometimes change your methods. Et là, nous décidons de mettre de côté ces choses que nous aimons afin de vaquer à la prière. And now we have decided to put aside everything that we like so that we can concentrate on prayer. La Bible dit dans Matthieu 6, 16 à 18. The Bible says in Matthew chapter 6, verse 16 to 18. Jésus dit, lorsque vous jeûnez. Jesus says, when you fast. Donc, déjà, l'introduction ou l'entrée même de ce texte laisse entrevoir le fait que le jeûne n'est pas une option, mais ça doit faire partie de nos vies. The beginning of this text shows that fasting is not an option. It has to be part of our lives. Il dit lorsque vous jeûnez. Pour lui, c'est évident que vous devez jeûner. It's obvious for Jesus that you have to fast. That's why he says, when you fast. Nous allons revenir à ce passage plus tard. Mais au verset 17 également, il dit, mais quand tu jeûnes. And in verse 17, he says, but when you fast. Frère, Dieu nous appelle à jeûner. God is calling us to fasting. Tu dois savoir qu'en cette période de prière, Dieu veut et attend que tu le cherches, mais personnellement. You have to know that in this time of prayer, God is expecting from you to look for him. To seek for him personally. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'invite, le Seigneur te commande à crier à lui, mais individuellement. The Lord invites you to cry out to him, but individually, personally. Pendant ces 21 jours. In these 21 days of prayer. Mon ami, sors un peu de la mêlée. Go out of the mass. Sors de la foule. Go out of the crowd. Oublie un peu les amis. Stand out, forget your friends. Oublie un peu les causeries. Forget your talkings. C'est le temps de chercher Dieu. It's time to seek for the Lord. Retire-toi. Isole-toi. Isolate yourself. C'est le temps de chercher Dieu. It is time to seek for God.
Tu peux être avec des gens sans être avec eux. You can be with people but not being with them really. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Am I talking to somebody? La Bible dit dans 1 Chronique 22 19. The Bible says in 1 Chronicles chapter 22 verse 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Now apply your heart and soul to seek for the Lord your God. Appliquez votre cœur et votre âme maintenant, maintenant à chercher Dieu. Now apply your heart and your soul to seek for the Lord your God. Vous savez, chers bien-aimés, you know, Dieu brothers and sisters, cherche des hommes et des femmes qui le cherchent. God is looking for men and women who are seeking for him. Yes, la Bible dit dans Psaume 14, 2. In Psalm chapter 14, verse 2. L'Éternel, the Lord, du haut des cieux, from heaven, regarde, looks down, les fils de l'homme, on the children of men. Dieu regarde. He looks down. Il nous observe. He's observing mais pourquoi nous regarde-t-il? Why is he looking? Mais pourquoi nous observe-t-il? Why is he observing la Bible us? Déclare. The Bible says. Pour voir. To see. S'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Whether there is any with the understanding. Qui cherche Dieu. To seek for the Lord. God is searching. Where are they? The ones who are seeking for me. Où sont-ils? Where are they? Ceux qui me cherchent. Those who are seeking for me. Où sont-ils? Where are they? Ceux qui ne sont pas là juste par le yenge. Those who are not here only for pleasure. Ceux qui sont déterminés. Those who are determined. Ceux qui ont dans leur cœur une véritable soif. Those that have in their hearts a real thirst. Ceux qui sentent quelque chose brûler au-dedans d'eux. Those who are feeling something boiling in inside of them. Dieu regarde. God is looking. Il cherche. He's seeking. Ceux qui le cherchent. Those who are seeking for him. Amen. Le prophète Osée dit dans Osée 10, 12. Hosea chapter 10, verse 12, the prophet il says. Il est temps. It is time. De chercher l'Éternel. To seek. Bien-aimé. Oh, is that time we are going to go? It is time to seek. Oh, suis-je en train de parler? Am I talking to somebody? Maman Nicole, j'ai aimé le thème que vous avez traité récemment chez les mamans. I like the theme that you talked about at the mama meeting. Elles ont dit, Nzambe baluka kaye. They said, you have to seek for the Lord. Nzambe baluka kaye. We have to seek for the Lord. Pendant ce temps, during this time, fais de Dieu l'objet de tes quêtes. Make God the object l'objet of your de tes recherches. The object of your searches. I will touch you, God. I will touch you, God. I will not tire. I will not get tired. I will look for you. I will look for you, God. I will seek for you. Jesus. Jesus. Mon ami. Cherche Dieu pour ton ministère. My friend, seek for God for your ministry. Cherche Dieu pour l'onction. For the anointing. Cherche Dieu pour l'impact. For the impact. Cherche Dieu pour la stabilité de ton couple. For stability of your couple. Regarde combien ton couple est déséquilibré. Look how your couple is unbalanced. Aujourd'hui c'est bien, une bonne ambiance. Today a good atmosphere. Demain vous vous déchirez. And tomorrow. Regarde tes enfants. Look at your children. Il est temps de chercher Dieu. It's time to seek for the Regarde Lord. Regarde comment l'ennemi te malmène. See how the enemy is playing with Regarde you. Regarde ta vie. Look at your life. Frère, il est temps de chercher Dieu. My brother, it is time to seek for the Regarde Lord. Regarde l'église. See the church. Regarde notre nation. See our nation. Il est temps de chercher Dieu. It's time to il seek for the Lord. Il est temps de chercher Dieu. It's time to il seek for the Lord. Il faut que les choses changent. Things have to change. Frère, rien ne va changer dans ta vie jusqu'à ce que tu te révoltes au dedans de toi. Nothing will change in your life until you wake up inside of you. Nothing. Nothing. Jusqu'à ce que tu te révoltes. Until you rebel. Et que tu dises maintenant. And you say now. Les choses doivent changer. Things have to change. Pastor Lord. Pastor Lord. Il y a plusieurs années en arrière. Many years back. Peut-être 30, 20 ans ou 30 ans. 20 or 30 years. Je priais Dieu. I was praying God. Je disais Seigneur. I said God. Si ma vie doit continuer comme ça, if my life has to keep on being alors this ça sert à way, rien. Then prends-moi. Just take me. Je ne peux pas continuer à vivre. I don't want to keep on living et like this. Et prétendre te servir. And then pretending to serve sans you. Impact. Without impact. Sans te voir.
not seeing no. you. No, God. Soit dans un Zambé, either I belong to you, soit dans un Zambé, or I don't belong que to que you. Zambé, but if I belong je refuse to you, de vivre et de mourir comme un homme quelconque. I refuse no. to live and die no. like a normal no. man. No. Mes enfants ne seront pas comme tout le monde. My children will not be like anybody else. Mon mariage ne sera pas comme tout le monde. My marriage will not be like anybody's Mon ministère marriage. Sera pas comme tout le monde. My ministry will not be Mon église like the ne others. Sera pas pareil à tout My le monde. Church will not no. be like everybody no, else's no, church. No, no, no. no. Dieu est Dieu. Either God is God. Ou soit tu te cannabis au caca. Or let us just Mais leave je it. Je n'accepterai pas. But I will not accept. Un ministère médiocre. A minister that has no impact. I will not accept. Une vie de couple médiocre. A life in my couple that has no impact. Pas. I will not accept. Une vie chrétienne médiocre. A Christian life that is no. Zamba Zanzambe. God is God. Zamba Zanzambe. God is God. If He is God, il faut namona bilembo na yena bomo inangai. I have to see proofs in my life. Et en ce temps-ci, and in this l'Éternel time, est disponible. God is available. Il est prêt. Is ready. Il nous appelle. He's calling Il us. A mis des choses en réserve. He has things in store. Et il cherche. And he's searching for us. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé. People who are thirsty. Afin de répandre. To pour. Afin de se révéler. To reveal Afin himself. De se manifester. To disclose himself. Ta vie ne sera plus jamais Amen. Comme Your life will not be the same Je anymore. Je dis que ta vie ne sera plus jamais comme avant. Your life will not be the same as Ton before. Ton ministère ne sera plus jamais comme Amen. Avant. Amen. Your ministry will not be the same as before. Ta maison ne sera plus jamais comme avant. Your house will not be the same Regarde, as before. Regarde, nous ne servons pas un morceau de bois. We are not serving a God made of wood. Nous servons Elohim. We are serving Elohim. 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 Le Dieu très haut. The God, the Most High God. Le Dieu vivant. The Living God. Le Créateur. The Creator. Ce qui osa na posa e kosala maseki. If you want to play, c'est qu'osa na sika na yote. Then this is not your place. À partir de demain. From now on, from tomorrow. If you want to eat. If you want to eat. If you want to drink, go ahead. Ce programme nous allons l'entamer avec des hommes et des femmes décidés. But we will start this program with men and women. À voir Dieu. Decided to see God's face. Et Dieu cherche. And God is looking. De tels cœurs. For those kind afin of hearts, de se manifester, so that he can reveal, afin de se révéler, to manifest himself. Il y a des choses que j'ai données au premier culte que je donnerai demain soir. There are things that I talked about in the first service. I will talk about them tomorrow. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prier. But right now, I would like us Tiens to pray. Ici que Stand up where you are. Tell God, either you're God or you're not. Tala, so kozana, so écoute, si supposons ça la maseki na lo sambo, vina yo kozala peka kaya maseki. Look, if you're playing with the prayer, your life will be a joke. Nous ne sommes pas venus en ce lieu. Nous n'avons pas décidé ce programme pour jouer, pour nous amuser. We didn't start this program to play. Non. No. Frère, nous voulons voir Dieu. We want to see God. L'image que je vois, c'est la femme à la perte de sang. The image I'm seeing is this woman that had her period. Jésus ne venait pas pour elle. Jesus didn't come elle for her. Elle n'était pas dans le programme de She Dieu. She wasn't in the program of Ah, God. Mais elle a